Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis de vous faire un haul de la pharmacie. Et comme ça, je peux vous dire un peu plus, comme ça fait 2-3 semaines que je les ai, les produits. Au moins, je pourrais vous dire s'ils sont bien ou pas. Donc, c'est une Caudalie Vino Source crème au sorbet hydratante. Donc, c'est pour peau sensible. Et franchement, elle est canon cette crème parce que c'est une base avant de mettre le maquillage. Un petit format de 40 ml. J'ai payé entre 40 et 45 euros. Je ne suis pas sûre. Je mettrai si j'ai le ticket, les prix. Je n'ai jamais testé la marque Caudalie. J'ai voulu tester comme maintenant j'ai le budget pour acheter ce que je veux. Caudalie, j'ai voulu tester. J'ai déjà vu beaucoup aussi sur TikTok que des filles en parlent beaucoup. C'est le démaquillant. De l'huile de soin démaquillant de chez la marque de 50 ml. Je l'ai testée, elle est très très bien. Je vous déconseille de vous démaquiller avec de l'huile de coco, c'est pas bon pour la peau. Quand même 14,08€ et je crois qu'elle est à 17€, mais je ne suis pas sûre. L'huile de soin démaquillant, l'huile de ricin et amande douce, toute peau, visage et yeux. Flacon plastique 100% recyclé. Franchement, elle démaquille super, super, super bien. C'est pour ça que j'attendais quand même un peu plus pour vous parler plus de ces produits, voir si je vous les conseille ou pas. Mais franchement, c'est là que je vous la conseille. Tous les maquillages, même waterproof, fini non gras, chauffer nos huiles dans la main et masser sur une peau sèche, émulsionner avec de l'eau tiède et rincer. Quand j'ai des petits make-up comme ça, je la mets sur ma main. Je frotte, je démaquille mes yeux. Et puis après, je rassure tout sur TikTok. Si vous voulez, je vous mettrai mon TikTok ici. J'ai été bannie de live pour mineur alors que je suis majeure. Mais bref. Ça, c'est un masque instant détox, nettoie les impuretés et resserre les pores. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. C'est le meilleur masque que j'ai jamais utilisé. Donc, il y a 75 ml. C'est pour tout type de peau. Et c'est en fait, quand vous appliquez, vous devez mettre une fine couche et ça vous fait comme des points sans détox, nettoie les impuretés et l'excès de sébum dans la peau pour des pores resserrés et un teint frais 2 fois par semaine en couche fine et c'est posé 5 à 10 minutes rincé. Les ingrédients argile purifiante marque de ricin et café pour l'éclat, effet détox 100% qu'on les teste sur les animaux. Donc franchement, c'est très 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 en bien. En Caudalie, j'ai acheté un gel douche et un pesant gratuit. Celui-ci, c'est au gel douche. C'est fleur de vie, 3,30€. Mais là, c'était un plus un gratuit. Alors, j'ai repris du CeraVe. Vous savez que tous et toutes que j'en parle tout le temps. C'est le CeraVe gel nettoyant moussant. Celui-ci, il est très, 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 très bien. Je sais pas vous dire un avant et un après de ma peau. Parce que ma peau était quand même affinée. Donc là, j'ai quand même un peu des imperfections, mais sinon, ça nettoie, passe. Nettoie, élimine l'excès de sébum sans altérer la barrière protectrice de la peau aux 3 céramiques essentielles. Donc c'est très très c'est bien. C'est une crème lavante hydratante. Peau normale assèche, nettoie, hydrate sans altérer la barrière protectrice de la peau, visage et corps aux 3 céramiques essentielles et à 100 parfums. Et ça fait quand même 4 à 5 mois, je crois que j'utilise l'autre et ma peau, je trouve qu'elle me remerciera jamais assez. Elle est très très bien. Et depuis que j'utilise les produits Caudalie, ma peau est très 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 douce. Il est hydratant en grand format. Celui-ci, c'est un 473 ml. Il est très très bien. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Votre peau est toute douce. En tout cas, ma peau, donc mes jambes sont fort sèches en hiver, même en été. Et franchement, elle est très très bien. Je vous la conseille. J'ai eu des échantillons avec tout ce que j'ai acheté. Des échantillons de Caudalie Vino Pure gelée et nettoyante purifiante. C'est toute petite, un petit format, mais pour utiliser, et si je l'aime bien, je l'achèterai en cadeau. Le Userin, donc c'est. Il y a le pH 5. pH 5, gel lavant pour peau sèche et sensible, la peau est nettoyant, douceur et la résistance de la peau face aux agressions extérieures est préservée, laisse une sensation de peau douce et sous protège du dessèchement même en cas de lavage. Je ne connaissais pas cette marque-là, mais je vais la tester, je vous en parle. Des échantillons, donc avant de mettre la base du teint,
Je vais mettre un sérum. Elle est très très bien si vous pouvez le mettre au cou, je pense. Je sais pas, mais moi je crois que je le mettais au cou. Et je l'achèterai peut-être en plus grand. Une crème légère, donc une crème qui va bien hydrater votre peau, à mixer sans parabène. Donc la roche-posay, je sais très bien que la roche-posay, c'est une crème qui est très très bonne. C'est de la bonne marque et votre peau, elle vous remerciera jamais assez. C'est un lait relipidant corps. La roche-posay aussi, c'est un anti-brillance, anti-pore dilaté. L'échantillon, j'ai eu la marque Vichy encore. Hein. C'est une crème énergisante, lissage et éclat. Donc j'en ai eu deux à chaque fois. Je vais vous parler de le fond de teint BE. Je ne sais pas si ça s'appelle BE Creative Makeup. Avec ces deux produits-là, donc le fond de teint. Donc le fond de teint se présente dans un format comme ça, avec une petite truc comme ça. Et vous devez la concealer. Franchement, il ne file pas dans les plis assez. J'ai mis de la poudre, mais comme j'ai une tache ici. À cause, je sais pas de quoi, si vous savez, dites-le moi, j'ai une tache ici. Et genre, ça part pas. Mon make-up vient de la palette Révolution que mon chéri m'a offert, la palette Flamboyance. Et j'ai pris trois couleurs. J'ai pris la Fancy pour faire ici, genre le... Ici. J'ai pris la Flamme. Et j'ai pris la Brise. Voilà, j'espère que mon haul de la pharmacie vous aura plu. Moi, je vous dis à vendredi prochain.